De The Bubble Team Gaming, comme d'habitude, c'est Mocha, on est de retour sans défiance. Donc j'ai atteint la limite de queue disponible. On va prendre un coffre, comme ça en même temps je vais vous montrer comment ça se passe. On va prendre celui-là, coffre élite. Je pense pas pouvoir prendre. Il contient 4 armes et boucliers aléatoires. Plutôt prendre un coffre de mode du coup. Parce que je sais que j'en ai vu, il y en a pas. Bon, on va aller faire la mission. On va y aller à pied. Je me crois dans Firefall. Là, il y a bien des véhicules et ils sont illimités. Enfin, l'utilisation est illimitée. On va en profiter. Donc je sais pas trop de quelle saison il s'agit parce que c'est l'épisode 2 mais. Vu qu'il n'y a pas écrit de saison, je suppose que c'est la première, mais ça me paraît bizarre. En tout cas, voilà. Alors, c'est quoi? Le vagabond. Cooper a entendu parler d'une vagabonde irasienne qui cause des ennuis à Madeira. Il s'agit peut-être d'une prisonnière évadée, alors découvrez qui elle est avant que quelque chose n'arrive. Ok. On me signale de l'agitation près de vous. Allez jeter un œil dans les environs. 200 mètres, ouais. Ouais non, faut pas rêver. C'est pas un avion. Bon, on y est, ça va, c'était pas loin. Gorgé de phéromones de Messoran. Je me demande si ça a un rapport avec le comportement anormal dont Cooper parlait. Je vais envoyer ces données à RN et voir ce qu'elle dit. J'ai bien reçu vos données. Je vous envoie des informations sur votre ego qui devrait vous mettre sur une bonne piste. Voyez où elle mène. J'ai reçu les infos d'RN et marqué notre destination. C'est où? Ah, ok. Ah, les soldats de la République de la Terre. Ils devaient pourchasser ceux qui campaient ici. Menons l'enquête. Regardez, il y a des traces de pas qui s'éloignent du corps. Quelqu'un aurait donc fui le combat. Ah, tiens. Ce soldat ne présente aucune plaie par balle. D'après mes tests, il est couvert de phéromones de Messoran. Ils sont où ces monstres? Ratus Paraba me dit qu'une fusillade vient d'éclater près de son ranch. Ça pète de partout. Les républicains armés passent de grande. Dépêchez-vous d'aller voir ce qui se passe, Ansel. Oh. Les républicains doivent être contrôlés grâce à ces engins. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Si on les loue, les Messorans se retourneront contre eux. On vous veut aucun mal. Allez, sortez. Tu rêves, sale Anjo. Vive la République. C'est de nouveau cela ou quoi? C'est la première fois que je les affronte, je crois. C'est la RT, mais c'est pas la République Terran, j'imagine. Ok, un petit coup de jus toi, trop malin, des barres en plus.
faire ça. Ok. Venez donc me chercher, sale Nango. Dis à ton colonel d'aller se faire mettre. Ben Narvel. Ah, c'est vrai qu'il peut être là-dessus. Ah, c'est un électrique en plus, alors ça n'arrange pas. Parce que mon mitraillette c'est un truc. Ah, j'ai loupé le coup. Bon, on arrive à la moitié, ça va. Tant qu'il loue son truc derrière moi. Allez. On va tirer quand même. On va pas rester à regarder hein. Merci de ton aide, mais je refuse d'aller en prison. Armateur, doucement. Vu ton accoutrement, je crois que tu connais la suite, non? Main en l'air. Vous allez être aussi sympa que l'autre justicier et me relâcher? J'en doute. C'est marrant. Il avait le même flingue. Il aimait le pointer vers moi aussi. Ça aussi, j'en doute. Ce modèle est extrêmement rare. Il s'appelait Nolan, je crois. Nolan? Ah, mais c'est un épisode que j'ai vu, ça. Ça peut pas être lui. Tu parles de Josh Nolan? Comment je peux savoir s'il t'a relâché? Je l'ai sauvé. Lui et sa copine mère. Ouais, c'est et bien ça. Une copine. Ah, c'est l'épisode 2 de la saison 1, donc. Bah, tant pis, ce sera en décalage. Alors, hein. Vous allez m'arrêter? On va voir. Qu'est-ce que te veulent les reps? Ils veulent apprendre à contrôler les Messorans. Ils sont pas doués. Je vais les louper. Cette unité de Républicar m'a suivi. Donc, c'est pas ceux de Grant? Non, je connais pas ce nom. C'est les troupes du colonel Gretsch. Tête de pioche. Un vrai cinglé, celui-là. Ça sent pas bon pour Eden, s'il est dans le coin. Nolan te fait peut-être confiance, mais pas moi. Pas encore. Te laisse en liberté surveillée. Les rêves sont au-dessus des lois, même les plus mauvais. Alors tu vas m'aider à comprendre ce qui se passe. Essayez de vous renseigner sur le projet Hamelin. Tu vas en toucher deux mois RN et voir ce qu'elle peut faire. Je garde celle-ci à l'œil. Enfin, si je me trompe pas, c'est bien la saison 1, mais je trouve que c'est la saison 2. À vrai dire, comme je vous ai dit, les épisodes, je les ai regardés déjà dans le désordre, il me semble, ou pas vraiment dans l'ordre, et j'ai dû en louper, quoi, c'est clair et net, et puis ça fait un moment, et puis j'ai regardé sans regarder, c'est à la va-vite, on va dire. Alors, 25 victimes, ouais, bref, hop. Donc c'est fini. Par contre, faut que je m'achète... un coffre de mode.
coffre simple. Modification d'armes, mais il n'y a pas le coffre. Non. Marchand de mode de pistolet. Mode de fusil. On va y aller. Sinon tant pis, hein, je le ferai hors ligne tout ça. Hein, c'est juste histoire de me trouver un peu plus de stuff. Pour le moment. Puis essayer de me libérer la place disponible pour les cotes là, enfin les petites clés, parce que c'est une fois plein. Je pourrais prendre cela, hein, vous avez, j'ai 500 et quelques scripts dorés. C'est par rapport au jeu en boîte que j'ai pris. Mais j'attends quand même un peu plus d'être d'avoir fini le jeu, quoi, d'avoir une bonne arme. Quoi, je sais pas, on verra, au moins d'être pas loin du level max. Quoique c'est vrai que le level ça influence peu. Bon, on verra, par exemple, je sais pas quoi en faire tout simplement. Donc là, c'est exactement la même chose, c'est pas là-dedans que j'aurai mon bonheur, peut-être là-dedans. Dopa d'armure ablative. Allez, 2500 scripts, j'en ai pas. J'ai qu'une dopa encore verte. Ouais, apparemment il n'y a pas de mode ici. Hein. Peut-être ici. Marchand de mode de fusil, bah oui, c'est écrit en gros. Ah, par contre, c'est que des modes pas terribles, quoi. Vert ou bleu. J'aurais voulu au moins du mauve, quoi. Donc je pense que je vais faire ça en ligne. Si vous savez où c'est, hein, n'hésitez pas à me le dire, parce que le problème c'est ça, c'est que je sais pas trop où qu'on fait les bonnes affaires, quoi. Mais je sais très bien qu'il y a moyen, et puis ça doit être écrit dans un tuto Steam. J'en avais déjà vu un il y a un moment, c'est comme ça que j'avais découvert quelques trucs dans ce genre là, même si c'est pas le plus dur à trouver. C'est bon, là je peux plus les activer, mais vous les activez, il y en a plein dans chaque zone et ça vous donne des secrets. C'est comme ça qu'on débloque tout et n'importe quoi, hein. Des voitures, des habits. D'ailleurs, j'ai débloqué un truc, je sais même pas d'où, hein. C'est par rapport à une mission que j'ai fait précédemment. J'ai gagné ça, mais je crois que ça a bugué au niveau du nom. Parce que bon, string missing. Et je tuerai chacun de ces bâtards de mes mains. Je sais pas c'est quoi, il n'y a pas de chapeau, il n'y a rien, mais... Et normalement j'ai gagné un casque. Mais je crois que ça doit être ça. Ça a dû bugger. Parce que vraiment c'est un casque et ça s'appelait Halo. Ah non, ça doit être ça. Bah oui. C'est ça, Halo. Voilà. Bon, c'est pas le genre de truc que je vais mettre, mais bon, c'est toujours sympathique. Au moins ça fait des petits gadgets comme ça. Gratuit ici ou là, c'est vraiment un vrai free to play, quoi. Ils sont comme la plupart des jeux que j'essaye de présenter et de sur lesquels j'essaie de faire des aventures suivies. Ouais, faut absolument quand même que je me trouve tout quoi m'acheter le mode, mais je le ferai hors caméra. Je vais couper maintenant pour cet petit épisode qui sera pas très long. Ça sera donc une vidéo de plus à ajouter à l'aventure suivie, sachant que je sais même pas si c'est la saison 1 ou la saison 2. Je verrai ça, je verrai ce que je marquerai sur le titre de YouTube, c'est pas un problème. Ok, bien sûr, je vous dis à la prochaine, bon jeu et ciao.